Ça, c'est vrai. Tuanze. Commençons. Tukamate kwanza. Prenons d'abord ma étape. Les étapes. Ma étape za kwa zinakuwa kangapi? Les étapes de se marier sont accomplies. Mukamate mukitabu kinaitwa Les noces de l'agneau, paragraphe 44. Et karamu ya mwana kondo. La citation Les noces de l'agneau. Mais lakini, vous voyez, naona, en premier lieu, kwa zamu ya kwanza, on prend la décision. Mutu anatoa uamuzi. Anakamataka. Anakamataka uamuzi. En premier, kwa en premier, kwanza, on prend la décision. Mutu anakamataka uamuzi. Niko na bangalia kule nyuma ba jeune de vous regarder ba jeune ba jeune na busingizi na magistraction vous êtes en train de sommeiller niko na bisema kesho mtanza kwa mko mnatutambala ko mwirudishe mkanisa je suis en train de mchafu hapana kubakubali je suis en train de le dire et demain vous allez commencer à ramper au ramener nous na mama yako analia tunamwambia unachagua unaenda na mtoto wako wala unabakia mtoto tunafukuza si ta mama aussi venez pleurer on va lui demander tu choisis d'aller avec ton enfant où tu restes et l'envoie pas. Ne venez pas me supplier. Amen, amen. Na mfukuza, je vais le chasser et toi je te chasse. Tunakuliza wakati alikamata décision uliwaka. Et on va te poser la question. Quand il avait pris la décision, tu l'avais su? Kuko kitu kimoya chiko nguvu. Il y a une chose qui est difficile. Kudetache muzazi na mutoto. Détacher un parent à son enfant. Muzaza one kosa ya mtoto na mwambie ni kosa na mwambie baki kufukuza sita kusemeyaka haiko kila muzazi. Kela amina bana kaka bakufe tu pamoja. Il accepte de mourir avec l'enfant. Mais lakini vous voyez. Naona. En premier lieu, kwa hatua ya kwanza, on prend la décision. Mtu anakamataka uamuzi. Ensuite, inayofuata l'engagement. Mapatano. Kubingia ndani. Après cela, nyuma hiyo, la promesse. Ahadi. Enfin, kwa mwisho, la cérémonie de mariage. Sherehe ya ndoa. Et c'est à ce moment-là que l'épouse, l'époux prend le nom de l'époux. Non. Elle ne porte plus alors son propre nom, elle prend le nom non. de l'époux. Ni wakati ule sasa, bwana na bibi, wanaungana na kwa ile wakati bibi anabeba jina ya bwana yake. Je wanakuwa wanamuita Sir Patrick. Là on commence à l'appeler Sir Patrick. Sir Gasago. Sir Gasago. Sir Malaki. Sir Malaki. Kule ku 4. C'est là au 4. Mais il y a un zaka mu décision. Mais ça avait commencé vers la décision, la première étape. Amen, amen. En tout cas, le compte à rebours, paragraphe 35. Kuhesabu kinyume nyume. Prenons par exemple le mariage. Tutoe kwa mfano ndoa. En tant qu'union. Sawa muungano. Nous découvrons que le mariage point 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 point. Tunatambua kwamba ndoa nukta nukta nukta. Nous voyons la fréquentation. Tunaona kuzoeana. Virgule. Mkato. Les accords. Mapatano. Et puis le mariage. Kisha ndoa. Cela devrait régler la question pour toujours. Hiyo inipaswa maliza jambo lote lote. Ingepaswa maliza bubishi malote. Ndio. Eh bien. Vema. C'est ce qu'il en est de Christ et l'Église. Ndivyo ilivyo kwa Kristo na kanisa. Révision générale. Mkaguo wa kijumla. Ziko sehemu nne. Ya 4 étapes. Za kuchumbia. Amen. Ses fiancés. Ndoa, les mariages. Katika vipindi vine. Les mariages passent dans 4 étapes. Ja kwanza, la première étape. Ni wazo la kuoa. C'est la pensée de se marier. Uamuzi kwamba nitaoa. La décision que je dois me marier. Amen, amen. Pili, la deuxième étape. Kujiangaje kwa mwenye kuelekea mwenye utaoa munaanza zoeana. S'engager vers la personne dont tu veux te marier et tu commences, vous commencez à vous fréquenter. Ya tatu. La troisième étape, tu lui donnes la promesse. Qui est le vœu? La quatrième étape, c'est quoi? C'est la cérémonie du mariage. Maintenant, je vais vous dire ceci. J'ai eu peur. Et peut-être que c'est la première fois de vous le dire. Le mariage mixte est interdit dans toutes ces étapes-là.
Si tu ne le savais pas, écoute. Dans la première étape, c'est refusé. Dans la deuxième étape, c'est prohibé. Dans la troisième étape, c'est prohibé. Et dans la quatrième étape, c'est prohibé. Et à la fin, on vous dit, je vais te menacer. Si tu oses passer en dehors, regarde la liste des dangers qui vont t'atteindre.